Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la deuxième vidéo du 3 couleurs challenge. Aujourd'hui, je vais utiliser que 3 marqueurs. Par contre, je vais utiliser aussi le liner et le blanc. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo précédente, n'hésitez pas à y jeter un œil. Pour aujourd'hui, je vais faire un dessin tout mignon, tout simple. C'est pour ça que je dessine directement au stylo. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Comme j'ai le droit d'utiliser qu'un seul marqueur pour la peau, tout simplement j'ai passé d'abord une première couche pour faire un peu le côté clair. Et j'ai repassé plusieurs fois pour faire les ombres. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. Pour les cheveux, tout simplement, je vais essayer de faire la même méthode que la dernière fois. Donc là, je suis en train de mettre du violet. Et maintenant, je passe du orange par-dessus. Finalement, comme c'est des couleurs un peu trop vives, ça rend des pattes super bien. Du coup, pour la robe, je l'ai laissée en blanc tout simplement parce que les couleurs sont un peu trop vives et je voulais faire vraiment un petit contraste. J'avais peur que ce soit trop sombre et qu'on ne voit plus rien à la fin. Pour apporter un peu plus de luminosité à mon dessin, je rajoute un peu de blanc au niveau des cheveux et des yeux. Pour le fond, j'ai utilisé tout simplement les couleurs que j'ai utilisées pour ce dessin-là. Histoire de remplir un peu la feuille. Et voilà le dessin que j'ai fait avec seulement 3 marqueurs, un liner et du blanc. J'espère que ça vous plaît. Moi personnellement ça va, j'aime bien mais pas trop comme l'autre. Pour la vidéo de la semaine prochaine, on va faire un petit test de matériel. J'espère que vous serez au rendez-vous. On va tester des acryliques de chez Copic. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. A très bientôt, ciao!